Voilà, ça enregistre. Donc, bonsoir à toutes et à tous pour donc cette soirée où j'ai le plaisir d'inviter mon amie Virginie Monsigné. En fait, comme nous sommes voisins, puisqu'on habite la même ville, à Sainte-Virginie. Donc, comme on est voisins, ben Virginie est venue me rejoindre directement à mon cabinet médical, à mon lieu de travail à Saint-Arnoult, en Yvelines. Je fais rentrer encore quelques personnes qui se connectent. Voilà. Et donc, une soirée autour des regroupements professionnels, des intervisions professionnelles. Et donc, l'intérêt de se regrouper hein, quand on fait les métiers autour du coaching, autour de la médiation avec les chevaux. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, de garder les questions pour la fin. On fera 10 ou 15 minutes avec les questions sur la fin. Et donc, je vais nous mettre en zoom. Voilà pour l'enregistrement. Et donc, Sophie nous dit qu'elle est dans les métiers de la médiation avec les chevaux. Merci Sophie pour ça. Virginie, est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots qui tu es, hein, et un peu quel est ton chemin de vie et qu'est-ce qui a fait que tu t'es rapprochée des chevaux? D'accord. Donc moi j'ai 43, donc presque 44. Les chevaux, c'est une grande histoire d'amour. Ça a commencé assez petite, bien que parisienne, donc je ne pouvais pas les voir très souvent. Mais voilà, ça a toujours été des animaux qui m'ont attirée. J'ai toujours dit que je voulais travailler avec les chevaux. À l'adolescence un peu compliquée, la seule chose qui m'a fait du bien et qui m'a apaisée, c'était d'aller monter à cheval, d'être au contact des chevaux, puisque ce qui m'a le plus plu, en fait, c'était d'être avec eux, d'apprendre à les soigner, etc. J'ai jamais été une très grande cavalière, j'ai toujours préféré les balades, les randos, enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire avec mon cheval, mais voilà, j'étais plus axée sur ça, le sport nature. Et c'est vrai que dans les petits coups durs de la vie, eh ben, j'avais besoin d'aller avec les chevaux. Pour recharger un peu ses batteries, c'est vrai que C'est ça? la connexion particulière qu'on a avec les chevaux Exactement. et on avait une interview. En fait, on a un groupe également qui est dédié au cheval et psychologie, et avec une personne, Anne Barthes, qui a produit tout un film autour de la relation particulière entre les chevaux et l'adolescence, l'enfance, l'adolescence. Et elle a suivi un groupe d'adolescents sur une période d'une dizaine d'années. Et donc, il y a vraiment des témoignages de l'importance de cette présence des Ah, chevaux complètement. dans les passages de la vie, la construction psychologique aussi. Voilà. Et puis, et donc, tu as retrouvé les chevaux J'ai retrouvé des étant chevaux adulte ou... adultes. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin pendant les vacances à aller monter à cheval et faire des randos. Une fois rentrée dans la vie professionnelle, puisque je ne suis pas du tout rentrée dans le monde du cheval, parce que voilà, pour mes parents, il fallait avoir un métier voilà, dans les bureaux ou dans les. Enfin, c'était mieux comme ça. Donc je suis rentrée dans la banque. Vous ne pouvez pas faire plus bureau que ça. Voilà, donc à 23 ans, je rentre dans la banque après mes études. Et à 33 ans, je fais un burn-out. Voilà, 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Perte de sens, perte de. Enfin, voilà, c'est qu'à un moment donné, tu cours derrière le sens au travail. Et à un moment donné, tu trouves pas. Et voilà, et je me suis écroulée un jour, pas fait comme un autre, parce que. Une goutte d'eau avec mon patron qui a fait que je me suis dit, mais en fait, je prends pour une conne, enfin, qu'est-ce que je fais là? Et là, du jour au lendemain, je peux plus bouger, je suis allongée dans mon lit,
J'appelle ma mère en lui disant, écoute, je crois qu'il va falloir que tu viennes ou qu'on appelle SOS médecin parce que je ne sais pas ce que j'ai, je ne peux plus bouger. Oui, effectivement, j'avais 7 de tension, je n'étais pas bien. Et arrêt de travail. Et la seule chose qui m'a fait me lever, c'est j'ai pris mon ordi et je me suis dit, je vais aller me faire un stage avec les chevaux. Donc, je prends des vacances, je regarde et je cherche. Et je me dis, mais en même temps, je n'ai pas du tout la capacité physique d'aller monter à cheval. Donc, je cherche un stage, quelque chose que je peux faire sans monter à cheval. Et je ne connaissais pas la médiation équine. Enfin, le terme ne m'était pas familier. Et je regarde, je cherche, et je tombe sur un stage d'une certaine Carole Thomas. Moi, je suis 77. Carole Thomas, pardon. Moi, je dis Claire. Non, c'est pas du tout la même. Carole Thomas, en 77. Et je me dis, bah, ça, c'est bien. Et ça s'appelait Transition de vie. Je dis, c'est moi, donc j'y vais. Absolument. Et là, je découvre un univers et je me dis, waouh! Et donc, ça m'a ouvert deux portes, la médiation équine et l'éthologie, l'observation, les chevaux en troupeau. Chose que je n'avais pas, puisque pour moi, c'était plus un compagnon de rando et de sport. Qu'un compagnon de vie, et voilà, puisqu'en plus j'habitais en ville. Et donc je découvre cet univers et je me dis waouh, je veux faire ça. Donc évidemment, je pense que. Donc pendant un stage finalement d'apprentissage de la médiation équine avec notre collègue, Carole Thomas, qu'on a interviewé d'ailleurs, que j'ai interviewé sur la chaîne Cheval en Conscience, autour des critères de choix des formations en médiation équine. Et donc c'est un peu La boucle est bouclée, puisqu'on va un petit peu en parler plus tard. Ouais. Et donc, j'ai repris mon petit bonhomme de chemin parce qu'il fallait que, psychologiquement, il fallait encore que je travaille sur un certain nombre de choses, d'acceptation et d'ouvrir certaines portes. Et portes que j'ai fini par ouvrir il y a maintenant 4 ans, en commençant par faire une formation de coach professionnel. Puisque j'étais formatrice dans le domaine bancaire, je forme des managers, je forme aussi sur tout ce qui est de l'ordre de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, et aussi les managers sur les soft skills des managers, le savoir-être, etc. Donc plus des formations sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Tout à fait. Et dans un petit coin de ma tête, la médiation équine était là. Et, donc, j'ai cherché une formation. Et je n'ai pas trouvé la formation en adéquation avec ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai décidé de me former aux trois piliers de l'équipe coaching, qui est pour moi, en tout cas, était la meilleure solution, qui était donc le coaching professionnel, la médiation et l'équitation éthologique, en passant des savoirs éthologiques. Et en suivant après des hors-semaines, comme Ludovic Fournet, que j'aime beaucoup, qui est un type super. Ouais. Et même si je n'ai pas le niveau de Ludovic avec ses Mustangs qui fait venir des États-Unis. C'est ça. Tout à fait. Mais voilà, ça me fait rêver. Et donc voilà, je me lance dans... J'ai créé ma société qui s'appelle Equitalentia. Et Equitalentia, aujourd'hui, fait du coaching et de l'équi-coaching, du coaching avec des séances de coaching assistées par le cheval pour compléter et pour améliorer, on va dire, le coaching sur certains thèmes. Je fais des coachings aussi de groupe ou des coachings d'équipe avec les chevaux, ça marche très très bien. Ah, ça, c'est certain. C'est très très chouette. Donc tu es devenue une professionnelle du coaching. Professionnelle du coaching et toujours de la formation, puisque j'ai gardé mon métier originel qui était formatrice et aujourd'hui je conçois des formations en savoir-être, notamment pour les managers ou en qualité de vie au travail ou en retour de burn-out, comment éviter pour les RH, comment éviter les risques professionnels. Et j'y intègre 70% d'expérientiel, et dans ces 70% d'expérientiel, évidemment, c'est avec nos amis les chevaux, et c'est l'effet waouh. C'est génial. Voilà, en général, c'est deux jours où il y a un vrai impact. Donc, aujourd'hui, c'est ma vie. Et à côté de ça, j'ai également une vie associative puisque je travaille
avec une association qui s'appelle les Sentinelles de la Nation, qui bosse pour j'ai perdu le mot, qui soigne les personnes en stress post-traumatique, notamment les policiers, les militaires, Absolument. les médecins, Il urgentistes. y en a un certain nombre qui Il y en a sont beaucoup, en oui. burn-out, absolument, Voilà. je te dirais pas le contraire. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a fait des stages. Et dans ces stages, on a intégré une journée de médiation équine. Ah, très Voilà. bien, oui. Et on l'a fait en équipe pluridisciplinaire, puisqu'on a donc le président de l'association qui est psychiatre Ah, très bien, spécialisé. oui. On a Catherine Mercier qui Oui, est également. que je connais bien, absolument, qui est psychologue Voilà. clinicienne. Alors, Sophie on a Peigné. Vanessa qui nous rejoint. Donc, Sophie Peignet, présidente du syndicat, on va en parler C'est tout ça. à l'heure. Et moi, voilà. Et en équipe pluridisciplinaire, on travaille sur la lourde question du stress post-traumatique Tout à fait. avec, en intégrant une journée de médiation équine qui a une partie en équithérapie, donc il vient travailler sur le sensoriel, sur le retour au sens, et une partie plus équi-coaching qui va venir plus travailler sur le retour à l'altérité, retour au groupe et retour au quotidien, à la vie, Complètement, à la communication, complètement. quoi. Donc voilà, on est en train de monter un projet aussi de réflexion avec Sophie et Catherine qui s'appelle le CDMS, le CERF des médiateurs équins spécialisés en trauma, où justement on invite des médecins, des psychiatres, des psychologues et des spécialistes du psychotrauma à venir réfléchir autour de comment la médiation équine peut accompagner. Voilà. Mais voilà, tout en restant chacune, enfin en tout cas moi à ma place, puisque je ne suis pas soignante, bien que pour la terminer sur mon profil, je suis en formation pour être psychologue du travail. Voilà, j'ai Ok, fini. donc Virginie, tu es devenue, on pourrait dire, une professionnelle, une coach donc certifiée, tu as été certifiée comme coach, et une personne qui connaît les différents aspects de la médiation avec les chevaux, du coaching avec les chevaux, et également du travail pluridisciplinaire. Donc avec des psychologues comme Catherine Mercier, des travailleurs dans le psychosocial comme Sophie, hein, qui a beaucoup l'habitude de travailler également avec les adolescents en difficulté. On l'a interviewé sur la plateforme il y a 2 mois, je crois. Et donc ça nous amène un peu au thème de ce Oui. soir, autour de l'intervision et de la pluridisciplinarité. Pour toi, pourquoi c'est important qu'il y ait de l'intervision, de plusieurs disciplines et peut-être aussi de la supervision. Pour moi, la supervision et l'intervision sont deux choses différentes. Elles sont complémentaires. Il y a un pilier qui est très important dans nos métiers d'accompagnement, c'est que notre outil principal, Oui, c'est nous. c'est ça. Donc, étant notre premier outil, il est essentiel de continuer à le peaufiner, à le travailler, à l'entretenir. Et cet entretien, on a besoin de formation, pour continuer à se former, c'est la formation continue. C'est dans notre code de déontologie. Tout Absolument. professionnel de l'accompagnement a un code de déontologie. Et les professionnels du soin aussi Bon, bien sûr. ont une obligation de continuer à se tenir au courant Voilà. et à se former, hein. Alors, soins et accompagnement, pour moi, tu vois, ils vont ensemble dans le sens où c'est. D'ailleurs, je pense que l'accompagnement pour ça a pris exemple sur les professionnels du soin Certainement. pour l'éthique, pour la déontologie et également pour cette notion de supervision et d'intervision. Alors, elle est un peu différente peut-être pour nous. C'est vrai que les médecins, par exemple, ont des colloques, ils ont des Oui, regroupements, ils ont des choses et comme ça. puis toute une structure de formation professionnelle continue, hein, Voilà. et il y a donc le fameux DPC, hein, l'organisme de formation continue des médecins. Et j'espère bien d'ailleurs que un jour ou l'autre, il y aura de la médiation équine. Ça commence à arriver, ça commence à arriver. Il y a des formations pour les médecins. Mais j'avais interviewé une collègue médecin également qui participait à ces Ah, formations-là. c'est super. Voilà. Mais donc pour les coachs aussi, pour les différents professionnels, comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que pour toi c'est en train de se développer depuis les dernières années?
Alors, moi, je pense que ce n'est pas une nouveauté dans le sens où il y a déjà pas mal de professionnels de l'accompagnement et notamment de la médiation équine qui travaillent déjà en intervision. C'est-à-dire qu'ils font, ils se sont déjà regroupés entre pairs, ils font déjà des regroupements en dehors d'un cadre formel. Et c'est super parce que sans appeler ça forcément intervision, ils vont appeler ça groupe d'échange des pratiques. Alors, après, il y a une. Nous, en tant que coach, on va avoir des terminologies un petit peu spécifiques pour nous, les groupes d'échange de pratiques. Ça doit être encadré par un animateur, par exemple. Alors que l'intervision, on est vraiment entre pairs. Le principe de travailler entre pairs, c'est déjà d'être en toute bienveillance entre nous, de pouvoir échanger sur nos séances, de pouvoir échanger sur peut-être nos outils, sur des ateliers, sur des cas, mais aussi d'échanger, de métacommuniquer, de communiquer sur nous, sur notre ressenti, donc ce fameux outil, pour essayer de comprendre les transactions qui se passent et de voir un petit peu, voilà, après, si on a suivi une formation psychanalytique ou psychologique, voilà, de voir un petit peu ce qui peut les transferts et ce qui peut se passer entre les différents acteurs le patient ou le client et nous. Et pour ça, l'intervision, on peut être 2, 3, 4, 5. En médiation équine, ce qui peut être très pertinent, c'est d'avoir de l'intervision soit sur comme là on est en train de faire, par exemple, sur nos séances, c'est-à-dire pour communiquer dessus, pour parler de ce qui se passe à l'intérieur et de dire ben voilà, moi j'ai une problématique avec cette personne, je l'aime beaucoup, mais à un moment donné, je sens que ça avance plus et c'est moi que ça. Et en fait, ça m'angoisse avant d'arriver, je ne sais plus quoi lui faire faire. Et les autres, en fait, sans être ni psy, ni. C'est pas grave. Parfois, le simple fait d'être en toute bienveillance, et ben on va poser la bonne question parce que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on pose les bonnes questions et qu'on permet à l'autre d'élaborer sa propre solution. Et c'est super. Après, il y a aussi évidemment la pratique avec les chevaux qui peut être très pertinente. Moi, je sais que j'aime énormément aller en faire de l'équicoaching sur moi. Et Tout j'apprends à fait. encore Tout à fait. à chaque séance Absolument. où je me rends compte que ben, je fais les mêmes conneries que à je fait. fais la même chose que mes clients. C'est-à-dire, je fais un truc et je fais ah, là, j'ai pas bien fait. Et puis, dans ma tête, il y a la petite voix qui dit mais on fait bien ou on fait pas bien, c'est n'importe quoi. Mais je le dis quand même. Donc, ça prouve qu'il y a quand même un cadre de référence et quelque chose qui vient me faire dire que. Et du coup, ben, je suis encore plus bienveillante avec mes clients. Que moi-même je le vis en séance aussi. Et ça peut faire partie aussi de l'intervision. Oui, se retrouver dans la situation d'un client, c'est quelque chose de génial. Moi, je sais que j'adore ça. J'adore ça. Et parfois, il y a des intervisions finalement qui disent pas trop leur nom parce que parfois aussi dans des stages que j'anime, et ben, il va y avoir des personnes qui sont des professionnels, qui font parfois à peu près la même activité que moi, et puis qui vont prendre le rôle de client. Voilà, et c'est chaque fois vraiment super, on découvre des choses, c'est assez génial. Hein, et donc, il y avait une question qui me venait. Pour toi, est-ce qu'il y a des, comment dire, je ne vais pas dire des barrières professionnelles, mais est-ce que ces intervisions, elles devraient être les médecins avec les médecins, les infirmières avec les infirmières, les coachs avec les coachs, comment, voilà. Parce que, par exemple, pour les médecins, dans le DPC, la formation professionnelle est réservée aux médecins. Il n'y Bien a sûr. pas vraiment, vraiment d'échange. Ce que, personnellement, je regrette, parce que je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et ben, des autres professionnels de soins, dans le psychomote, Bien les sûr. animateurs psychosociaux, Bien sûr. l'infirmière, les différentes personnes. Voilà, mais la réalité, c'est que malgré tout, l'environnement du soin est assez sectorisé quand même. Et j'avais un peu ce questionnement, comment est-ce que toi tu vois les choses Selon moi, on partage
On est tous praticiens en médiation équine. C'est-à-dire que C'est quel que ça. soit notre C'est ça. socle de formation et quel que soit notre mode d'accompagnement ou de soins, on est praticien en médiation équine. Ce qui signifie que ce que l'on partage, c'est de médiatiser notre activité avec les chevaux. Du coup, par exemple, un médecin pourrait très bien partager, un gynécologue pourrait très bien partager une échange de pratique avec des sages-femmes, par exemple. Un obstétricien pourrait très bien partager des ateliers d'intervision avec des sages-femmes. Ça pourrait être très pertinent parce qu'ils n'ont pas forcément la même relation aux patients. Ils n'ont pas la même. Et bien, nous, c'est pareil. On peut très bien avoir un équithérapeute, un équicoach pro ou un équicoach qui travaille sur le développement personnel ou un médiateur équin qui travaille sur d'autres choses, en sophro, ou enfin, peu importe notre socle. Et moi, au contraire, pour moi, plus on est dans l'interprofessionnalisation, plus on travaille ensemble de façon éthique. Et par contre, oui, on a tous un socle quand même. Il C'est faut ça. qu'on identifie notre socle de base dans l'accompagnement. Ne serait-ce que pour nos clients et nos patients. Il faut qu'ils sachent qu'au départ, voilà ce qu'on travaille. Parce qu'au départ, la relation, c'est d'humain à humain, médiatisée par le cheval. Alors moi, je vais peut-être faire rebondir, mais le cheval coach ou le cheval soignant, etc., non, c'est pas magique. L'animal, il a déjà énormément de qualités dans la relation à trois, mais la relation, elle est à trois. La 3, c'est-à-dire le client ou le patient, l'animateur et le cheval. Voilà. Il y a un triangle. C'est ce qu'on disait avec Nathalie Durel, donc là, une psychologue clinicienne, hier soir. Hein, il y a vraiment ce triangle. Bien sûr. Et je crois qu'il ne faut pas oublier effectivement le rôle du cheval dans ce triangle. Et il ne faut pas oublier non plus que le rôle du thérapeute ou du coach ou du praticien est essentiel et que si lui loupe. Alors, en coaching, on aime bien dire que rien n'est jamais loupé. C'est-à-dire que tout est toujours bon à prendre pour une séance. C'est-à-dire, il n'est pas censé pleuvoir, il pleut. C'est pas grave, c'est bon à prendre. J'ai dit quelque chose, peut-être qui a blessé. Bon, ben, c'est bon à prendre. C'est que ça doit se passer comme ça. Et voilà. Après, c'est de l'adaptabilité et c'est la capacité aussi. Mais l'adaptabilité, ça se travaille. Ça se travaille en intervision, en supervision. On travaille là-dessus. On comprend qu'on a besoin d'être adaptable par le regard aussi de ses pairs ou de son superviseur. On a parlé d'intervision. Comment est-ce que tu verrais la supervision? Alors pour moi, la supervision, elle est un petit peu plus formelle. Pour moi, la supervision, elle est obligatoire. Après, j'ai été formée comme ça. Pour moi, elle est obligatoire. Elle fait partie de mes séances. D'ailleurs, c'est ce que je te disais l'autre fois. Moi, elle est incluse dans le prix de mes séances. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vital. Je ne peux pas pratiquer sans supervision parce que c'est comme si je pratiquais sans. Comment donner une idée? C'est sans code de déontologie. Pour moi, c'est pareil. Il est important pour mon client que ma pratique soit supervisée pour éviter, on ne sait jamais, que je dérive, que voilà, on n'est pas à l'abri. Nous C'est sommes des sûr. êtres humains. On n'est pas à l'abri, On absolument. n'est pas à l'abri d'avoir un moment où c'est difficile, un moment où on va pas bien, un moment où ce va pas bien vient intervenir dans la relation avec notre client. Et cette supervision, elle est essentielle. Alors, ça peut être une fois par trimestre. Tu as des supervisions chez nous, par exemple, ce qu'on voudrait mettre en place. Et d'ailleurs, au syndicat, on est de plus en plus en train d'en On va, tout à parler. fait, Et on va en notamment, parler. Claire peut en attester aussi. Tout à fait. C'est qu'on aimerait mettre en place, voilà, plus de possibilités pour les gens de pouvoir atteindre des groupes d'échanges de pratique, de l'intervision, de la supervision Oui. à des coûts raisonnables. Parce que Oui. Il y a aussi cet aspect-là. c'est vrai que les formateurs, les coachs, en général, sont dans la profession des médiateurs équins, ceux peut-être qui gagnent un petit peu mieux leur vie, et encore. Mais c'est vrai que voilà, y a des soignants, et on sait que bah, il ne faut pas que ça soit un frein. Voilà. Il ne faut pas que l'argent soit un frein. Et donc, c'est quelque chose, et c'est normal que ça soit au syndicat de réfléchir à ça, Complètement. de donner cette opportunité à tout le Ouais, monde. complètement.
Et donc, oui, on peut parler du syndicat, effectivement. Donc, le syndicat, c'est le syndicat interprofessionnel de la médiation équine, Les praticiens en hein, médiation des équine, ouais. praticiens en médiation équine, SIPMED. SIPMED. Hein, donc, tu es membre du bureau de ce syndicat, tu es trésorière adjointe. Et est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur pourquoi il a été créé, enfin. Oui, alors le syndicat a été créé au départ par un groupe de praticiens en médiation équine, bah justement pour des raisons qui avaient envie de réfléchir à la professionnalisation du métier, enfin des métiers de la médiation équine. Pourquoi interprofessionnel? Parce que justement, selon eux, le pluridisciplinaire, on va dire, est quelque chose qui est important. Donc, il y a des équithérapeutes, il y a des équicoachs dans le bureau, il y a des médiateurs équins. On voudrait que ça soit encore plus vrai, encore plus que tout le monde soit encore plus représenté. Représentatif, ouais. Voilà, avec toujours, voilà, avec des praticiens professionnels, avec un code de déontologie, avec une pratique, une bonne pratique, etc. Évidemment, mais voilà, je pense que c'est important que comme dans toutes les autres corporations, nos pairs puissent se sentir déjà se connaître entre eux. Deuxièmement, avoir des informations parce qu'on est quand même quasiment tous travailleurs indépendants. Tout à fait. Du coup, bah, on n'a pas Et comme on a en entreprise. c'est un peu différent, disons, d'avec l'image qu'on avait avant de l'équithérapie, un peu pour les personnes handicapées, où c'était indépendant si on veut, mais enfin, disons, il y avait une Dans forme un de sens très clair, salariat ouais. déguisé, puisque c'était souvent dépendant d'une institution C'est ou deux ça. institutions. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mais là, ce dont on parle, c'est un peu différent. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours des associations, il y a toujours des équithérapeutes qui sont en centre équestre ou qui sont. Mais globalement, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup à être un peu. Ou alors, on est à la tête d'une asso. Et donc, le fait d'avoir. C'est idiot, mais je veux dire, quand on s'installe, savoir comment on doit s'assurer. Absolument. Alors, les formations, il y a certaines formations en médiation équine, quel que soit le socle, hein, équithérapeute ou équicoach, ont des modules où on parle, voilà, où ils parlent de ça. Mais c'est quand même important que le syndicat puisse aller voir des assureurs, puisse travailler avec la MDPH, par exemple. C'est un des. La MDPH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les maisons départementales pour les personnes handicapées, Ouais, hein, donc les ouais. personnes porteuses de handicap. Voilà. Et ça, c'est un des travaux du syndicat actuellement, Tout à fait. d'être en lien, de travailler avec eux et avec plein d'autres choses. Je veux dire, on y passerait des heures, mais c'est, voilà, il existe depuis quelques années seulement. Il est en train de grandir, il a son adolescence et il a une belle perspective devant lui, le syndicat. Oui. Et on a besoin de forces vives, de personnes qui ont des bonnes idées pour le faire grandir et le faire évoluer dans le bon sens. Là, il y a eu le congrès annuel de ce syndicat, dont le site naît il y a quelques semaines. Et on a parlé de regroupement professionnel pendant ces journées. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu? C'est quoi le projet? Comment ça se passe en pratique aussi? On s'est dit donc toujours sur cette dynamique de se regrouper, d'être ensemble, parce que souvent les chefs d'entreprise ou les on est concurrents. Non, on n'est pas concurrents, on est pairs. Je veux dire, dans nos domaines, les gens, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de nous. Si notre offre et notre enfin notre justement, notre socle de métier est bien identifié, bah, tout va bien. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. L'idée, c'est de se dire, voilà, on est nombreux, faut qu'on maille la France, qu'on maille le territoire, qu'on détermine des secteurs. Alors, on dit régionaux, mais ça peut être locaux. Enfin, on est en train de réfléchir à ça, et ça, c'est le groupe, enfin, c'est les adhérents qui vont décider. Tout à fait, oui. Et de créer des groupes locaux. Et dans ces groupes locaux,
de voir, de créer des groupes de pratiques, d'amélioration de pratiques, donc de se Et voir. je t'arrête, mais pour participer à ces groupes locaux, est-ce que c'est forcément nécessaire d'être adhérent? Comment ça se passe? Alors, on est en train, alors ça c'est, Ah, c'est. là je spoil un peu. On est en train de se dire que, enfin, moi, selon moi, voilà, je vais dire mon avis, il est important de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. Parce que c'est en voyant ce qu'on fait, en voyant ce que le syndicat peut faire, que les gens vont se dire, bah oui, c'est un intérêt d'être syndiqué. C'est pas un syndicat politique, hein, c'est pas le syndicat des, c'est vraiment un syndicat professionnel, interprofessionnel, C'est ça. comme les Ouais. boulangers, comme les C'est ça. artisans, etc. Le but, c'est vraiment de dire, oui, il va y avoir des, bon, il y aura sûrement des regroupements où les non-adhérents pourront venir. Après, les adhérents auront sûrement des avantages, Ouais, c'est logique, hein. ce qui est normal, hein, Oui. sinon il n'y a aucune, voilà. Mais s'il y a des intervisions, s'il y a des Oui. supervisions, il y aura effectivement des tarifs préférentiels, très certainement. Mais à mon sens, si on fait des regroupements locaux, Ouais. il faut qu'on puisse accueillir C'est ça. les centres équestres, Ouais. les médecins. Les infirmiers, les gens du soin, les gens des chevaux, les gens du C'est ça. coaching, voilà, et que y ait des informations pour tout le monde. Et ensuite, éventuellement, il y a des tables rondes pour les gens du syndicat C'est ça. ou entre. Mais oui, je pense qu'il faut que le syndicat s'ouvre pour montrer la force qu'on est capable d'avoir entre nous. Hein. Bien, merci, merci Virginie. Peut-être pour conclure, d'après toi, l'avenir de ces métiers, donc de la médiation avec le cheval, et que ce soit le coaching, que ce soit des approches plus de médiation équine ou d'équithérapie, comment on voit que les choses sont en train de se structurer, comment est-ce que tu vois l'avenir? Moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça fourmille et que Oui, ça justement fourmille là, on oui. soit en train de se structurer. Je trouve que c'est très bien. Oui. Encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour tous ceux qui ont envie de bien faire. Je pense que comme tout système, le système s'autorégulera de lui-même et ça, j'y crois. Pour moi, c'est un métier qui a de l'avenir dans le sens où la reconnexion à l'authenticité, la reconnexion à la nature. Et moi, je le vois parce que pour le coup, dans l'équicoaching d'entreprise, enfin, pour les entreprises, je suis vraiment la plus éloignée de ça. Les gens ne viennent pas pour. Ils ne choisissent pas de venir tâter un cheval. Hein. Tout Ils à fait. viennent en formation. On leur impose une formation. Donc, enfin, ou on leur C'est impose ça. pas, mais en tout cas. Et je vois le besoin. Le besoin, c'est un besoin d'amour, en fait. Et Ouais. les gens ont besoin de ça. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel avec les animaux. Alors, avec les chevaux, bon, je vais pas vous la refaire, je pense que vous êtes tous convaincus, mais voilà, il se passe encore quelque chose de plus Ouais. parce que vraiment, c'est voilà, au niveau, ça sort les gens complètement de leur univers et de leur et ça leur fait un bien fou. Et je pense qu'on va aller vers ça. Voilà. Voilà, avec la nécessité certainement d'études, hein, on voit Ah oui, commencer un petit peu à ça bien avec, sûr. voilà. Et j'avais interviewé une collègue, mais aux États-Unis, qui avait fait une étude dans le cadre de l'université dans Ouais. laquelle elle travaillait, c'était dans le Iowa, je crois. Voilà, on commence à avoir des études comme ça Ouais. qui se. Et elle a fait une étude sur les étudiants en médecine et le burn-out Ouais. et la médiation avec les chevaux, qui était vraiment positive, Super. mais il est certain qu'on a besoin, hein, d'études et de références, parce qu'il y a pas mal d'études, mais voilà, de référencer un peu tout ça, Et hein. pour ça, on va avoir besoin de lieux, ressources. De lieux qui vont permettre justement, qui vont accepter, parce que c'est pas facile hein, d'être sous le coup d'une étude. Tout à fait. Il faut un référencement, il faut des protocoles. C'est pas toujours évident. C'est même difficile avec le vivant. Mais c'est sûr que si voilà, certaines personnes arrivent à donner ça, on va dire, à la science, bah ça nous ferait du bien. Ok. Donc je vais peut-être ouvrir pour les questions. Si vous avez des questions à poser, levez la main, comme on n'est pas très nombreux. Vous avez une petite fonction qui s'appelle réaction en bas de votre écran. Et levez la main si vous souhaitez prendre la parole ou si vous avez des questions.
Pas de questions. Claire, je vois Claire qui lève la main. Ah, ça vient. Voilà. Oui, il y a Sophie aussi. Et je vois Sophie également. Et Vanessa. Alors, on va commencer. Claire, tu veux commencer? Oui, bah, je veux bien déjà témoigner et remercier Virginie pour le travail que fait le syndicat par rapport au regroupement professionnel. Et évidemment, j'adhère à 100% à ce projet. Moi, je peux peut-être faire un témoignage qui est que dans ma clientèle, j'ai quand même beaucoup de professionnels en cours, en devenir ou en cours d'installation ou avec des double activité et j'ai clairement ouvert des groupes en fait de supervision et de pratiques coachées pour des gens qui n'étaient pas qui rentraient, c'est un peu ma couleur de pas rentrer dans les cases, qui n'avaient pas forcément envie de faire des formations longues puisque c'était des activités complémentaires d'une activité existante et que bah, ça confirme que, alors moi je l'ai fait à titre vraiment privé pour des groupes de personnes qui étaient mes clients et qui avaient exprimé ce besoin. Et j'ai développé du coup des stages d'analyse de pratique et de supervision. Et ça confirme qu'il y a un réel besoin et qu'il y a aussi un besoin d'inclusion. Et c'est vrai que ça, j'adhère quand tu dis que faire venir tout le monde au regroupement, bah, ça permet de voir justement l'intérêt d'adhérer au syndicat. Et en même temps, le syndicat, il est là aussi pour donner caution aux gens qui sont des professionnels reconnus et confirmés. Et en même temps, il faut aussi mettre le pied à l'étrier, sans mauvais jeu de mots, pour les praticiens qui démarrent, y compris qui sortent de formations reconnues et certifiantes, mais qui n'ont pas, à mon sens, toujours assez d'expérience, parce qu'en formation, on ne pratique pas assez. C'est comme quand on sort avec le permis de conduire, on commence à avoir le droit d'apprendre à conduire, en fait. Bien sûr. Et également, par rapport aux pratiques avec les chevaux, hein, tu parlais d'équitation éthologique. Moi, j'ai vraiment cette double casquette d'être praticienne en médiation équine et enseignante en équitation éthologique. Et je vois que, malheureusement encore, il y a des praticiens, particulièrement en équi-coaching, moins en équithérapie, les formations sont plus longues, qui n'ont pas de formation suffisante en fait dans le travail avec les chevaux pour pouvoir assurer la sécurité de leur d'eux-mêmes, de leurs chevaux et de leurs bénéficiaires. Bien sûr. Et voilà. Et donc du coup, je pense que il y a quelque chose à imaginer qui soit entre la formation continue et la supervision, et qui soit en même temps inclusif et où les gens ne se sentent pas jugés parce qu'ils vont venir avec justement quelque part un déficit et c'est pas du tout jugeant, hein, mais voilà, un besoin de complément d'accompagnement alors qu'ils ont déjà participé à pas mal de formations. Voilà mon expérience. Quelqu'un qui a une formation peut-être avec certains manques, mais qui le sait et qui vient chercher la formation complémentaire, plutôt que quelqu'un qui a une grosse formation et qui s'arrête là et qui Absolument. pendant 20 ans ne se forme plus. Mais c'est comme s'il avait laissé passer 14 TGV. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Je sais qu'on est bien en phase. Merci en tout cas. Merci Claire. Merci. C'est sûr qu'il y a dans ce milieu des chevaux en général, un certain nombre de personnes, ben voilà, qui vont pas rentrer dans les cases, ou en tout cas qui ont cette projection que être dans un syndicat, ça veut dire rentrer dans une case. Bah oui, non. Voilà, mais c'est certainement quelque chose qui existe, en tout cas dans le ressenti Oui. d'un certain nombre de personnes Bien sûr. dans cet univers du cheval pris au sens large. Bien sûr. C'est un milieu fermé de toute façon au départ, donc c'est vrai que c'est un milieu élitiste, donc bon, Certainement aussi. mais c'est important c'est important de s'ouvrir. Alors, Vanessa, je vois que tu as levé la main, je vais te Et mettre en Sophie aussi. avant. Hop. Ah, merci. Je sais pas comment l'enlever, par contre, j'ai peut-être trouvé. Ah si, Oh, c'est bon. elle va s'enlever toute seule, Bonsoir. je crois. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa.
Merci déjà pour cet échange et cette présentation, parce que ça permet un peu de replacer intervision, supervision. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de différencier. Pierre a dit beaucoup de choses aussi sur les bénéfices et les apports que ça peut avoir. Moi, j'avoue que c'est aussi une bouffée d'oxygène, puisque je suis dans un lieu un peu isolé. C'est vrai que j'ai peu de praticiens qui pratiquent autour de moi cette médiation. Pas l'occasion beaucoup d'échanger. Et j'ai beau me superviser dans ma pratique professionnelle. En médiation, je cherchais aussi un peu dans ce cadre-là. Et donc, je vous remercie pour cette ouverture, pour les personnes qui ont des formations longues et des formations courtes aussi, puisque ben, voilà, j'ai fait plutôt des formations courtes que des formations longues. Et voilà, ça va sûrement m'apporter, je pense, plein de choses, ce principe d'intervision aussi. Et c'est quelque chose qui me semble voilà, important, autant pour les professionnels que ben, pour nos patients, effectivement. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, Merci à toi. j'espère que voilà. Dans quelle À région? bientôt. C'est dans Moi, quelle... je suis dans le 06. Dans le 06, mais limite 04. Donc, Ah oui. vraiment dans la montagne, quoi. Voilà. Ouais. C'est une Voilà. belle région. J'adore. Mais c'est joli, oui. Ouais. C'est joli. Voilà, merci. Je vais laisser la parole. Merci à toi. Ok, merci beaucoup, Vanessa. Merci, ça fait plaisir de te voir. Alors, donc Sophie, voilà, je vais. Bonsoir, vous m'entendez? Bon, voilà, Oui, on bonsoir. t'entend, Oui, Sophie, on bonsoir. entend très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ben, moi, je fais partie un petit peu des nouveaux dans la médiation équine. J'ai été diplômée fin début 2022, mais j'ai monté ma structure que plus récemment. Et j'ai la particularité, là aussi, peut-être une couleur un peu différente, d'être en coactivité. Parce que pour l'instant, je n'ai pas lâché mon travail de toujours. Et voilà, je développe mon activité de médiation équine en parallèle. Donc, merci beaucoup pour cette précision, supervision, intervision. Moi, je suis dans le Calvados. Alors, il y a quelques praticiens autour de moi. J'essaye de prendre contact avec eux. C'est pas facile quand on le fait, je dirais, d'individu à individu. Pas beaucoup de réponses pour l'instant, en tout cas, peut-être ça viendra. Je suis vraiment intéressée par cette question de groupe de pairs. Enfin, moi, enfin, dans ma pratique à côté, j'ai plusieurs années d'expérience en management dans les structures publiques. C'est hyper intéressant. Ça a toujours été pour moi important de bosser en équipe, voilà, de bosser avec des gens, des chefs de service. En l'occurrence, on discute beaucoup et tout ça. Et donc, j'aimerais retrouver ça aussi dans la médiation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et alors, je lance un appel de détresse pour le SIPME, parce que j'ai deux parrainages et j'essaye de joindre un membre du bureau, mais je n'arrive pas depuis. Donc, j'ai eu Claire au téléphone il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'aimerais bien avoir ce troisième parrainage et intégrer le syndicat parce que enfin, pour moi, en tout cas, c'est la tonalité que j'y vois, c'est vraiment le collectif. Alors, sans doute qu'on ne peut pas être tous, tout le temps, tous ensemble, mais de pouvoir avoir des gens relais, des ressources, pouvoir partager, pouvoir aussi proposer des choses peut-être un peu différentes. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et m'a toujours tenu à cœur dans mon métier d'avant, je dirais. Et j'aimerais, pareil, pouvoir continuer dans ce sens. Donc voilà, je cherche un parrainage de membre de bureau pour intégrer le syndicat. Je vais te donner mes coordonnées et on s'appelle. Ça marche avec grand plaisir. Et donc Sophie, n'hésitez pas à me joindre sur Ouais. la plateforme pour les coordonnées de Virginie si besoin, il n'y a aucun Ça problème. marche. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et puis, bah, Virginie, il y a beaucoup de choses que vous avez dit en début de présentation qui ont tellement fait écho que voilà, c'est très drôle. On a tous des chemins assez proches finalement, je crois. Ah, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, Il y a beaucoup de ça je co sais. Coïncidence, mais pas de hasard, ça c'est sûr. ouais. Et bah très vite Merci. alors, Sophie, on s'appelle. Merci, Merci merci beaucoup. Sophie. Voilà, et ben, on a toute une discussion là qui commence à s'amorcer et Ouais. j'espère vraiment qu'on va
continuer en fait cette discussion Ouais. autour des intervisions, Mmh. supervisions, les regroupements, Oui. voilà, comment le maillage est en train de se faire. Bien sûr. C'est aussi un peu l'esprit des chevaux. C'est des animaux qui vivent quand même en troupeau, qui ont une structure Tout à sociale. fait. Bon, moi, je suis convaincu qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre, à nous enseigner sur le vivre ensemble, hein. Dans un mode peut-être non prédateur, sont des Ouais. grands herbivores, ils peuvent vivre, Non prédateur, mais assertif. non prédateur, mais très assertif, comme tu l'as été ce soir. Alors, merci beaucoup Merci à toi, merci à vous. pour cette interview. Et donc, je précise que, parce qu'on m'a posé la question, donc ces interviews sont accessibles directement en live avec le lien Zoom. Et donc, elles vont être en replay sur la plateforme Cheval en Conscience. Donc, pour nos membres actifs, nos membres contributeurs, donc avec un petit abonnement, ça commence à 2 euros par mois. Donc, pour avoir accès à toutes nos interviews, les interviews passées, on est déjà à 105 vidéos quand même pour cette petite contribution en tant que membre, et les interviews futures, donc sur l'évolution de ces métiers, de la médiation équine, de l'équithérapie, du coaching avec les chevaux. Merci Merci beaucoup, Virginie, Sylvain un de m'avoir grand, grand, grand accueilli. merci pour cette À interview. bientôt. À bientôt. Voilà.